est parti pour la découverte de Forager, qui est un jeu qui est en bêta fermée pour le moment. J'ai reçu la clé des développeurs, donc éventuellement si vous allez sur le Discord de Forager, eh bien il est possible aussi, si vous êtes actif apparemment, une petite souris m'a dit dans l'oreille, que vous pourriez gagner bon, peut-être des clés pour le découvrir par vous-même si jamais ça vous intéresse. Oh sinon, bah nous on est parti pour une nouvelle petite aventure. Et regardez, ça c'est mon bonhomme, c'est mon petit bonhomme. Alors, Escape pour notre menu. Très bien, donc on a quoi? On a un... avec plein de trucs. On peut avoir des skills apparemment. On a des features. Tools and weapons. On va devoir se battre apparemment. Accessories. Des seals et des artefacts. Allez, on est reparti dans Arc. On a, ça c'est notre inventaire j'imagine. On a un menu avec 4... ok, industriel. Fournace. À forge. Un sewing station. Apparemment des choses qu'on va découvrir plus tard. Farming, on peut faire des bridges. Fish trap, alors bridge pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, on va regarder ici, on va pouvoir acheter des parties d'îles sur lesquelles on va pouvoir se développer un petit peu plus loin. Donc ici, il nous faut 30 pièces d'or pour en acheter une. Et donc j'imagine que les ponts vont être pour accéder d'une île à l'autre. Fish trap, donc pour nourriture. Économie, pas grand chose. Et Magical, pas grand chose pour le moment non plus. Donc ça c'est pour acheter les îles. Et configuration, le jeu n'est pas en français pour le moment. Anglais bien sûr et d'autres petites langues. Donc allez-y si jamais ça vous intéresse d'aller voir les autres langues. Mais pour le moment en tout cas il est en anglais. Alors on va commencer à casser des petites choses. Ça je sais que c'est des petites choses qu'on a envie de casser. Puisque c'est de la nourriture. Alors on voyait en haut, j'ai lancé le jeu, je l'ai fait 2-3 minutes et ça m'a beaucoup plu. Donc je me suis dit allez on va faire une toute petite, petite vidéo là-dessus. En haut donc on a une barre de vie, on va devoir à certains moments se battre contre des petites choses. On a une barre d'énergie, la barre d'énergie elle se remplit en mangeant. Et donc il nous faut 10 pierres. Là on en a 4 parce qu'il nous a dit qu'il fallait faire une fournasse pour commencer. Donc on va essayer de faire notre fournasse pour commencer. Hop là. Alors, on a de la place ici pour mettre la fournasse. Ou alors on les mettrait plutôt à l'intérieur. Parce que si jamais il y a une île là-bas au-dessus, il faudrait se réserver la place pour pouvoir y aller. Ouais, on va faire ça. Alors comment est-ce que c'est? Est-ce que pour pouvoir... ouais, pour pouvoir. Donc industriel, fournasse. Et on va la mettre... bah là, ça me paraît bien. Je sais pas ce que c'est ça, tiens. Attends, c'est pas sorti là? C'est quoi ça? Pas l'air de pouvoir faire grand-chose. Et on va couper du bois. Un petit peu de bois. Et ça c'est quoi? Hop, alors ça c'est quoi? De l'iron. Ah génial. Et donc dans la forge on peut faire l'iron peut-être? Iron ore, donc il nous en faut deux et un coal. Alors du coal, il nous faut du bois. Bah vas-y, crafte-nous du bois, on va ramasser du bois parce qu'apparemment il va nous falloir masse coal. Donc on va ramasser tout ça. Et ça c'est quoi? C'est de l'or. Oh oui, de l'or. Donc peut-être qu'avec ça, on va pouvoir se faire quelque part sur la forge des pièces pour acheter. Je vois pas trop comment, si on doit juste en cassant des choses, je vois pas trop comment on va pouvoir récupérer du... ça c'était du coal. Comment on va récupérer de l'argent? Un système de vente peut-être, mais dans ce cas-là, à qui est-ce qu'on vend? Alors, de l'iron, combien on peut en faire? Ok, regardons d'abord. Avant d'aller sur la fournasse et faire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire la forge? 4 iron ingots et 4 briques. 4 iron ingots. Donc ça, il nous en faut 4. On ne peut pas parce qu'il manque du coal. Alors vas-y, fais-nous... vas-y, fais-nous, ouais, vas-y, fais-nous les deux coals. Et nous, on va aller casser du... ah, casser nourriture. On a besoin. 15 berries pour le moment, on est bien. Point de vue berries, on est pas mal. Oh, il y a Leila qui est pas contente. Il y a Leila qui est pas contente. Vous avez des saccades? Oh, normalement, ça doit pas être un jeu qui soit si lourd que ça. Je pensais que ce serait un live de mist. Mais on l'a fait hier, le live de mist. Ah, on a faim. Oh, il fait nuit. Ok, donc ça m'a l'air d'être du coal. Est-ce qu'il se passe quelque chose de bizarre la nuit? Ouais, ça c'est du coal, génial. Et est-ce que je peux regarder... non, je peux pas regarder les recettes pendant ce temps-là. Bon, ben on va ramasser des trucs. On va ramasser de l'or. De l'or.
De l'or, toujours plus d'or. Hop là. Ici, encore une pierre. Alors éventuellement, si on doit faire pas mal de call, ce que je me dis qui pourrait être sympa, c'est de ne pas devoir compter là-dessus. On va se faire une deuxième... forge. Une deuxième fournace, pardon, qu'on va mettre juste à côté. Et une qui fera tout ce qui est coal. Voilà. Non, je veux pas que tu... Non, je veux pas que t'achètes... Non, je veux pas que tu fasses tout ça. Je veux juste que tu me fasses du coal. Vas-y, fais 3. Et toi... Alors, il nous en fallait 4 de ça et 4 de ça. On peut en faire qu'un. Il nous manque quoi? De la pierre. Ouais, en même temps, on vient de faire la fournace, hein, donc c'est un peu normal. Oh, regardez! On a une petite luciole qui allume un peu notre île. Oh, c'est tout mignon. Et on level up. Ça, c'est génial. Alors, j'ai faim. Ok, t'as faim. On n'a pas de truc, hein, en appareil. Ah, si. Non, on en a que 2. Ok, très bien. Du coup, alors, level up, c'était où? C'était là? Skill. J'imagine que maintenant, on peut en mettre un. C'est très psychédélique, hein, quand même, comme, comme menu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On doit choisir foraging, industrie, économie ou magic. Ah ok, donc ça me donne droit. Coton spawns more often. On n'a pas vu de coton déjà. Alors ça va nous permettre de trouver la, du blé et ça va nous permettre de find des bêtes, des petites bébêtes. Ça, ça va nous permettre de débloquer le style, de débloquer la glace, le vitre, hein. Ça va nous permettre de gagner de l'XP lorsqu'on construit des structures. Économie. On gagne tout de suite 40 pièces. Je n'ai pas regardé combien c'était une île d'ailleurs. Et on peut trouver des petites fées. Alors je pense qu'on va plutôt prendre ça. Parce qu'on va en avoir besoin. On va partir plutôt sur trouver du coton. Ici en fait on a 3 nouvelles ressources. Parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de style? On va partir là-dessus. Puis le jeu s'appelle Forager. Donc, Gathering. 25% plus d'XP lorsque... À partir de plantes et de crops, ça peut être sympa. Et on gagne 4 pièces d'inventaire. Oh, ça pourrait être sympathique. Et les bois, les arbres drop 50% de plus en bois. Ok, bon. Nous verrons bien alors plus tard où on sera limité. Alors lui par contre, il a faim... On va lui faire manger. Hop là. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne voit pas trop jusqu'où est la barre. Et je sais pas si s'il va forcément s'arrêter ou s'il me laisse manger tout ce que je peux et trop en soi. Donc on va casser, parce que casser, on regarde au-dessus, ça va nous permettre de gagner un petit peu d'XP. Donc on va continuer pendant la nuit, en tout cas, à tout capoter, à récolter des ressources. Parce qu'à mon avis, on va en avoir besoin. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est... Il faudrait de la pierre, mais on n'a pas l'air d'avoir beaucoup de pierre. L'or, peut-être? Le bois est pratique aussi pour le charbon, hein, n'empêche. Ah, ouais, quand on casse ça, on a une petite pierre, donc ça va. Ok. Alors, on va refaire un petit peu de charbon. On aura toujours besoin de charbon. Allez, vas-y, fais-en-nous 3, comme ça, on en garde un peu. Ici, est-ce qu'on peut en faire... On peut en faire un, bon ben vas-y, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Les ressources ont l'air de respawner assez vite. Ça, c'est un peu l'avantage. Et c'est la nuit, la journée, très bien. On va passer la première nuit. Ça a pas l'air d'être trop particulier la nuit, donc ça va. Non, ah, de l'or, du bois. Ça a l'air sympa. Alors, il est fatigué. Apparemment, on a le petit cœur là-bas qui est en train de réagir. Donc, je sais pas, est-ce que... Ah si, on le voit. Est-ce qu'on perd de la vie quand on est fatigué? Oh, une fleur! Oh, des billes pour la nourriture, ça c'est sympa. Par contre, on a masse or, mais je sais pas ce qu'on peut faire avec. Est-ce qu'on peut faire des gold... Ah, gold ingots. Ok, très bien. Alors, attends, on va d'abord... On va faire les 2 briques qui nous manquent. Combien on a de lingots, là? Vas-y, fais-nous 2 lingots.
Comme ça, je crois qu'on aura tout ce qu'il nous faut pour faire bah, notre forge. Une fois qu'on a les 4 murs. Ça devrait être pas mal. Ah, Evalili qui est là. Coucou, Evalili. Hop. On récupère. Alors, on a 4 briques et on a les 4 murs. Alors, du coup, on va pouvoir faire notre forge. Forge. On va la mettre... Je peux pas la mettre là? Peut-être parce que je suis là? Attendez. Moi, je veux ma forge à côté du... À côté des furnaces, quoi. Ouais, c'est parce que j'étais là. Nickel. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire nos pièces. Ok, à partir d'ingots. On peut faire des clés. Slimy pickaxe. Et des bouteilles. Ok. Bon, alors, on va se faire masse pièces. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour acheter une île? 60, 30, 80, 50. On va déjà commencer par celle de 30. Vas-y, toi, fais-nous tous les iron ingots que tu peux. Les golden ingots que tu peux. 5. C'est déjà pas mal, avec 5. C'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'est peut-être pas poussé. Peut-être pour ça que je peux pas le récupérer. Allez, des petites baies pour manger. Et de l'or. Pour faire des sous-sous. Mais plein de sous-sous. Mais plein de sous-sous. Alors, est-ce que la map est limitée? Ben, vous allez le voir. Et en tout cas, apparemment, la map est différente de celle que j'avais quand moi j'ai essayé le jeu tout à l'heure. Je l'ai lancé 2-3 petites minutes pour voir ce que c'était. Et apparemment, la map de départ est différente. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu du... Ah, maintenant on peut y aller. Fiber, one. Je pense que la map est différente en fonction de chaque partie. Ok, on a 8 pièces. Il nous en faut 30. Ça va. 8 par lingot. Hop là. Alors, E. 2. Allez, vas-y. Alors, ce truc-là, c'est quoi? Hello. Ah, radis. Je sais pas pourquoi, je pensais directement que c'était une petite bébête. Mais non, c'est pas ça du tout. Et bienvenue. Ah, j'ai pas vu le nom de la personne qui nous a rejoint. Je n'ai pas vu. Je suis désolée. 4 fibers, là. Oui, ça c'est quoi? Ça c'est du blé, c'est ça? Oui, ça c'est du blé qui nous permet... Alors 32, ce que je vous propose, c'est qu'on aille acheter notre première île. C'est de la betterave, ouais, c'est ça. Alors, à betterave ou radis? Betterave? On va manger ça. On en a moins. On achète notre île, ici. Alors, on peut acheter celle de 30. Allons-y. Wow, c'est quoi? Et il fait nuit. J'ai eu peur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Un obélisque de foraging. On gagne de l'XP en ramassant des herbes et les crops. Et un seul obélisque peut être actif en même temps. Donc à mon avis, en achetant d'autres îles, on va pouvoir avoir d'autres obélisques. Ah, super sympa. Et donc en fait, on a plus de ressources. Enfin, on a un endroit pour plus de ressources. Est-ce que ça vaut la peine? J'imagine qu'il y a des différentes îles. D'après ce que j'ai vu un peu sur le trailer... Il y avait des choses particulières. Donc, allons voir. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici dedans? Le troisième truc qu'on pouvait faire, c'était quoi? Sewing station. Il nous manque 3 briques et on peut le faire. Bah, écoute, vas-y. Fais-nous 3 briques. Peu? Non, on peut pas. Fais-nous-en 2. Et toi, tu nous fais du coal. Ouais, fais-nous 5 coal. En même temps, le coal... Je sais pas si... le coal, on peut en trouver sur des minerais. Donc je sais pas si on peut utiliser tout notre bois ou s'il vaut mieux en garder un petit peu, tout ça, je ne sais pas encore. On verra bien, on apprendra. Sewing station, il nous manque un bois et 2 briques. Non? Attends. Voilà, maintenant on devrait pouvoir le faire. Voilà, et un bois, bon on va le récupérer ici. Je devrais manger, vas-y, mange. Vas-y, mange. Mange. Voilà. Alors, normalement, on a ce qu'il faut.
Non, là, on ferait bien. On le mettrait bien là. Dans un petit coin, comme ça. Et on n'a rien débloqué ici. Fish trap. Et un bois. On ferait bien un fish trap pour voir ce que c'est. En vrai. Pour de la nourriture, ça pourrait être sympa. Comme ça, on doit pas, on dépend pas que de ce qu'on trouve sur le sol. Fish trap. Est-ce qu'on peut le mettre? Ouais, on va le mettre là. Il empêchera rien là-bas au-dessus, normalement. Et il n'y a rien qui a été débloqué? Non, il n'y a rien qui a été débloqué. Ok, eh ben écoutez, on va continuer. Par contre... Ouah! Il y a un machin, là! Oh, on a des ennemis! Ok. Eh bien, en même temps, on n'a pas regardé ce qu'on pouvait faire dedans. On va aller voir. On peut faire, donc, oui, ça. Small backpack. Donc, il nous en faut 4 comme ça et 2 fleurs. Et ça, il nous faut... Ah, des fibers. Eh bien, écoutez, on va aller ramasser des fibers et des fleurs. Allons-y. Pour une fois qu'un jeu rend très utile le fait de ramasser des fleurs. Je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Hein. Je suis désolée. Par contre, on n'a pas... Il nous manque de la fibre, là. Et le small wallet, c'est quoi? 4 et 2. Bah, il nous faut du coton en vrai. Bon bah on va refaire du fer. Faut bien des slimes si on a une... Ouais c'est vrai. Oui c'est vrai que s'il y a une pickaxe qui permet. Et il nous faut quoi pour faire la slimy pickaxe? Encore 3 slimes. On pourrait essayer. On va essayer de débloquer une autre île. Attendez. Hop, vas-y. Craft nous ce que tu peux. 4. Et toi, fais nous du coal. On a plus de bois. Ben, ramassons du bois, qu'est-ce que t'attends là? Allez, ramassons du bois. 8 pièces, c'était 50, je crois, l'île qu'on avait vue. Hop. Alors, si je ramasse ça, c'est que des baies. En vrai, l'autre pickaxe mettrait peut-être un peu moins de temps pour casser les choses, donc ça peut être un truc sur lequel il faut investir. On va continuer à faire des pierres, des pièces tant qu'il faut, hein. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de... Non, il n'y a pas l'air d'avoir de coton. En même temps, on a un skill. Oh, mais attendez, on a un autre skill à prendre, là. On va prendre notre nouveau skill. Voilà. Vas-y, mange ça. Mange. On n'a toujours pas de poisson. On n'a toujours pas de poisson. Et on a un nouveau skill. Qui est quoi? On va prendre lequel? Ça, c'était quoi? Gagner 40 pièces? Non, on peut les faire. Tant pis. 50 plus de bois, c'est pas mal, hein. 4 inventory slots, 25% plus d'XP, des plantes et... En même temps, je crois que je vais prendre ça. On va prendre l'XP d'abord. On aura plus facilement des niveaux après. On unlock la chauvelle, le windmill et le bread. Ok. Et là, fishing traps, catch... Ah, donc ça ramasse 50% unlock. Et on peut cuisiner du poisson. Bien. Bon, on verra. Alors là, normalement, on va récupérer plus d'XP si je casse ça. Oh, ça va pas plus vite? Non? C'est moi ou... Non. Non, non. Non, non. Voilà. Oh, on a un poisson! Attendez, on va aller chercher le poisson. Oh oui, on a un poisson! Sympa! Oh, il y a un slime! Attendez. Nice. 2 slimes. 3 slimes. Oui, mais 3, c'est 3 que j'ai dans mon inventaire, je crois. Ce n'est pas... j'en ai ramassé 3. Je crois que ça me donne toujours le total... Oui, 15. Ça me donne toujours le total que j'ai dans mon inventaire. On a fait des... Non, parce qu'on n'a plus d'or et on n'a pas de charbon. Est-ce que tu peux pas me faire du charbon avec ce que je viens de ramasser? Attends. Allez. Cool. Fais-nous tout ce que tu peux en coal. Ouais, là, voilà. Et on ramasse de l'or. De l'or! Il y a des trucs qui poussent là. Regardez-moi ça. Il y a des trucs qui poussent. Oh, il y a du charbon là-bas au-dessus. Attendez. Bien, bien, il y a plein de trucs qui poussent. Peut-être que les plantes seront utiles pour fabriquer du slime. Je pense pas que le slime, on peut le fabriquer. Je pense que le slime, on...
peut uniquement le ramasser en tuant des choses, non? Ah, attendez, là non, c'est pas encore prêt. Faut qu'on la ramasse, elle, dès qu'elle est prête, là. Voilà. Ça, là. Combien? 3 fibres. Et level 4. On va pouvoir se mettre tout de suite. Tout de suite. On va pas en faire qu'un. Tout de suite, un petit skill en plus. Et là, on va prendre en skill en plus... Je me demande si je prendrais pas le bois. Avoir 50% plus de bois. Parce que le 50%... Unlock inscription table. Le bois m'intéresse vraiment. Hein. Pour faire le charbon et tout. Ouais, je crois qu'on va prendre le bois. Les arbres poussent. Oui, tout repousse. Ouh, 40% plus de minerais. Oui, nickel, on prendra ça. Hop. Et toi, donc maintenant... Vas-y, craft-nous 4 lingots. Ah, regardez, on a encore un truc là. Un coton là. Tout va bien. Ah, c'est la nuit. On va voir combien de bois il nous donne maintenant du coup. 5 bois. Oh, ça va. Ça va, ça va. Il y a du coton là-bas au-dessus. Nickel. Alors apparemment, les ressources n'ont pas l'air de dépoper. Hein. Quand on les laisse là-bas au-dessus, il y a l'or qui est fait. Et je peux le laisser là et ça n'a pas l'air de vouloir partir à un moment donné. Alors, on crafte ça. On est à 42. Donc encore une pièce. Et on a pour notre nouvelle île. On va attendre le jour hein, pour la nouvelle île. Quand même. On va prendre l'or là. Et on va prendre... Ah, il y a un nouveau poisson. Et on va ramasser ça. Les petites baies pour nous manger. Ce qu'il nous faudrait, c'est le poisson après pour voir... Oh, c'est quoi? Du sable. Et on a pour faire la nouvelle île. Du blé. On va le ramasser, mais on n'a toujours pas le truc pour le moment pour pouvoir faire de la farine. Pas encore. Pour le moment, du moins. Il y a une date prévue pour la sortie. Alors, ça, je ne saurais pas te le dire. Je peux regarder après. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut aller voir sur Steam? Si elle n'est pas prévue, il n'y a pas la date décrite? S'il vous plaît. Hop. Vas-y, on va casser ça. Le temps que le coton là-bas au-dessus fasse son effet. Alors toi d'ailleurs, on n'a pas pour en faire? Si. Non, toujours pas. On va casser ça qui est dans le chemin. Voilà. Alors ici, les deux forges qui ne fonctionnent pas, ça ne va pas le faire. Hein. On va crafter ça là. Et alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien débloqué en menu, du coup, avec les niveaux? Non, il va falloir qu'on commence à regarder pour débloquer des choses. Hein. Ouais, il va falloir regarder pour débloquer des choses. Ici dedans, du coup, il nous en manque qu'un comme ça. Ben, on va aller le chercher. Regardez, il y en a un là. On en prend deux à chaque fois, donc ça c'est nickel. Allez, crafte-nous ça et après on peut se faire notre backpack. J'imagine que c'est pour agrandir notre inventaire. On en a besoin, on va en avoir besoin. Si à chaque fois qu'on met une huile, qu'on met une île, il y a des nouvelles ressources. Je sais pas s'il y a d'autres biomes ou quoi. Je ne sais pas. Automne 2018, à ce que je vois là. Ah ben voilà. Merci bien. Merci Ticob. Alors, backpack. Ou small wallet. Backpack, hein, je pense. Allez, backpack. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oh, attendez, on va ramasser la baie nourriture. Non, j'allais dire on va ramasser... Ah bah si, voilà, on va ramasser le coton. La petite fleur. Hop. Le petit arbre, on devrait manger. Vas-y, mange. Très bien. Voilà. Et on va acheter notre nouvelle île. Il n'y a rien de... Non, poisson. Ah! Ah, ah, ah! Du sable. Un slime. Allez, viens. Et 4 slimes. Ok, très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on peut la faire, elle? Il nous manque 6 ingots, iron ingots. Donc on va les faire.
Ah si, on pourra les faire, nickel. Et on a des backpacks. It's for more inventory slots. Parfait. Oh, tu te calmes, le slime, là. Génial. Alors, du coup, bah, on va acheter notre île. On achète une petite île. 50, combien les autres? 80, 280, 210, 60. Bon, on va prendre celle-là. Oh, il y a un coffre. Oh, mais je veux le coffre. Alors, attendez, comment est-ce qu'on va y aller? Avec des ponts. Comment est-ce qu'on faisait les ponts encore? Les ponts. C'est où est-ce qu'on les construit, les pompons? Les pompons, ici. C'est là. Ok. Nickel. Attends, laisse-moi aller voir mon coffre. Oui, deux secondes. Je veux mon coffre. Il me faut une clé. Alors, la clé, c'était ici. Craft, une clé. Oui, on a ce qu'il nous faut. Oh, ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus compliqué pour avoir une clé, mais pourquoi pas? Il sera gratuit. Non, je pense pas qu'il sera gratuit. Un rubis. Oh, sympa. Bon, on va attendre. Qu'il ait fini la clé pour faire notre pickaxe. Hop. Je me demande si notre pickaxe ira vraiment beaucoup plus vite. Il y a des ressources qui popent là-bas, donc ça, c'est sympa. Est-ce que j'avais pas ramassé? Si, on a ramassé. J'aimerais bien faire le portefeuille pour voir ce que c'est. Et il y a un moment où l'île est complètement remplie de ressources, ou il y a un moment où ça s'arrête? Parce que là, on va pas se plaindre, hein, mais... Ah, la clé! Ah, il y a une poule! On a Bobby! On a retrouvé Bobby, les gens! Bon, elle fait pas autant de bruit que Bobby, donc ça va. Threats. On en faut deux. Vas-y, craft-le. Holy Relic. Quoi? Damage nearby skeleton and demons? Que quoi? Mais je comprends pas. C'est quoi ce truc? On va prendre un petit peu à manger. C'est quoi ce machin là? Pourquoi ça me suit partout? Mais va-t'en! My energy is low. Oui, je veux bien. Est-ce qu'on peut le manger comme ça? 16 d'énergie? Ouais, on peut le manger comme ça. Ou on peut le vendre. Vous avez vu, il avait une value de 2. On va faire notre slime pickaxe. Il nous manque du bois et à 4... Voilà, on va aller chercher plein de bois. Oh non, pas Bobby! Mais vous êtes mauvais. Bobby, qu'est-ce qu'il vous avait fait, Bobby? Il avait été gentil, Bobby. Gentil avec tout le monde. Et il est level 5. Allez, nickel. On va aller rechercher... Ah mince, c'est fini. J'avais dit, on va aller chercher ça, là. 4 pen fiber. Génial. Allez, vas-y. Est-ce qu'on peut pas le faire? Si, il manque des iron ingots. Allons chercher nos iron ingots. Vous croyez qu'on peut manger Bobby? Vous croyez qu'on peut manger Bobby? Oh, apparemment, on peut manger Bobby. On peut avoir des œufs. Oh. Oh, mais non, on va pas manger Bobby. Il nous donne des œufs, lui, moi. Ah, nickel. Donc, 75% en plus de dégâts. Et on ramasse 50% de plus de jelly lorsqu'on tue un slime. C'est-il pas parfait, ça? On va manger les oranges. Et il me donne des œufs tous les combien, là? Oh! Ah oui! Ça me donne deux fois plus de jelly aussi. Mais ça les tue deux fois plus vite. Alors, le col, on va le casser. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se refaire cuire des iron ingots, s'il vous plaît? Ça, c'est fait. Est-ce qu'on peut se refaire un petit peu de col? Ça, c'est fait. Des omelettes. J'avoue. C'est quoi ça? Oh, pour ramasser du pou. Et on va se refaire un petit porte-monnaie, s'il vous plaît. Du coup, 60 pièces. Et on peut récupérer... Attendez, là-bas au-dessus, il y a un truc, là. 60 pièces et on peut récupérer une autre île. Donc, on va aller dessus.
On va s'en charger. Bone pickaxe. Ok. Pourquoi pas. I'm exhausted. Mais il est fatigué toujours vite pour rien, lui, je trouve. Hein. Voilà. Ah, on a un poisson en plus. Ah non, c'est du seaweed. Non, et très bien. Allez, on va ramasser du fer. C'est à cause de lui que tu ne guérissais pas. Ah, c'est possible, c'est possible. Hop. Et, ah mais non, je peux pas regarder. J'allais dire, on va regarder combien il nous faut de... Ça va plus vite, hein, avec la pickaxe pour casser même de ces genres de choses, j'ai l'impression. Hop, on va regarder si on peut racheter un autre sac. Quand les pièces valent 100% plus. Donc si je ramasse 8 pièces là-bas, maintenant je vais en récupérer. Mince, ben j'ai pas pu regarder. Ici j'avais 8 pièces, on va en crafter une. Et donc quand je vais la récupérer, je vais en récupérer 16. Oh mais c'est nickel en vrai. Ben rusher le wallet hein.